exclusivité, tapez www.casarema.fr. Jacob, tu as dit à Moïse que tu t'appelles Je suis. Tu es le Dieu qui ne change pas. De génération en génération, tu es Dieu. Seigneur, je te supplie par le nom de Jésus-Christ aujourd'hui que tu te souviennes de chacun de nous. Que tous ceux qui sont venus malades, qu'ils retournent guéris. Que tous ceux qui ont laissé des cas de maladie en famille, à la maison, à l'hôpital, quand ils vont retourner, qu'ils retrouvent ces gens-là guéris. Parce qu'ils sont venus te rencontrer, toi Jéhovah Rapha. Père, tu as envoyé le Seigneur Jésus dans la famille. Il n'est pas tombé du ciel. Jésus, tu connais les difficultés qui sont dans des familles. Seigneur, je te supplie aujourd'hui que tu visites toutes les familles qui sont ici présentes. Que les familles soient restaurées. Cher Saint-Esprit, le consolateur, que tu consoles les cœurs qui pleurent. Saint-Esprit, que tu touches même les points que moi je n'ai pas numérés. Je viens ouvrir cette réunion par le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit de confusion, toute puissance des mondes de Pandumonium, toute puissance des mondes de Verdelette, dans cette salle, tout au long de cette réunion,
dans ce quartier. Je vous nicote, je vous commande d'aller dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que tu glorifies le Seigneur Jésus dans chacune des étapes de cette réunion. Que le sang de Jésus-Christ inonde les quatre coins et coins de cette salle. Je viens céder cette salle par le sang de Jésus-Christ. Je m'oppose contre tout atterrissage démoniaque, contre toute communication sorcellerique. Dans le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié dans la prédication, dans les services de guérison, dans les services de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, je veux que tu montes là où le Seigneur est dans son trône. Dis un bon amen. 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 Dis amen en soulevant ton bras droit. Amen. 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 Presse de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, je vois quelqu'un dans la salle. Je ne peux pas m'en passer d'elle. Shekinah a parlé. Amen. Est-ce que Shekinah a parlé peut venir? Non, toi-même viens. Je sais que Shekinah est resté à la maison. Acclamons cette femme pendant qu'elle avance. Oh, 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 oh. Acclame bien. Oh, oh, oh. Presse de l'eau. Alléluia. Balance bien la main. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Balance aussi la main. Presse de l'eau. Alléluia. Shekinah a parlé. Regarde comment elle a pris beaucoup de poids. Amen. Mais elle a quitté Bordeaux jusqu'à Paris. Amen. Oh, je sais que ma fille évolue bien. Elle a fait des progrès. Beaucoup de progrès, par la grâce de Dieu. Bien-aimée, ça ce sont les fleurs de Hadassah. Ces témoignages, ce sont des fleurs qui vous ont attiré. Cette enfant, depuis qu'elle était née, 6 ans, elle n'avait jamais appelé maman. Elle n'avait jamais dit bonjour. C'est sa fille. Elle était à Amsterdam au mois de juin. Dieu les a visités. Donc je ne peux pas m'en passer. Ce sont des témoignages qui sont venus m'encourager. Ce message de prêcher aux femmes d'arrêter les faux cheveux, d'arrêter l'hydroquinone, d'arrêter les bijoux. Si Dieu n'a pas mis sa main dedans, on allait même couper ma tête. Ces témoignages, ce sont ces témoignages qui me donnent la force. Dieu fait des grands miracles pour me dire, ma fille, continue. Je suis dedans. Je ne vais pas utiliser ton souffle aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle rentre. Le Seigneur a fait des grandes choses. Est-ce que Marina, elle est là? Il paraît qu'elle était là depuis le jeudi. Hier, elle était là dans la salle. Marina, elle n'est pas encore arrivée. Elle nous a cherché. Cette fille, elle est guérie des hernies de cœur. Elle était là depuis jeudi, elle était là depuis hier. Vous savez, les gens sont guéris en ligne. On ne connaît même pas leur visage. Elle était dans la salle. Elle nous connaît, mais nous, on ne la connaît pas. Hier, elle nous a cherché parce qu'elle veut témoigner. Elle veut élever le nom de Jésus. Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse encore Maman Cécile pour ce grand témoignage que nous avions écouté hier. Amen. Il y a tellement beaucoup de témoignages dans la salle. Quand je vous regarde, j'ai dit, Nazwa wapi, natika wapi. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Oh, que la délégation de l'Allemagne soit bénie. Ce couple formidable.
Soyez bénis. Mais hier, quand j'ai appelé tous les pays, vous étiez restés là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur fait des grandes choses. Marina. Maintenant, elle s'appelle Marina Adassa. Amen. Acclamez le Seigneur. Viens. Tiens pour elle les sacs. Oh, donne le micro là. Shalom, le peuple de Dieu. Shalom. On peut prendre place. Viens ici. Kazarema, Papa Blaise, please. Vous êtes prêts? Ok, c'est bon. Ça, c'est la richesse de Ebenezer Adassa Ministry. Approche ici, comme ça, tu es bien cadré dans les caméras. Dis-nous, qu'est-ce que l'homme de Galilée, Jésus-Christ, a fait dans ta vie? Alors, mets les micros comme ça. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. De m'avoir guéri de la hernie du cœur. Acclame d'abord. Depuis que je suis née, c'est la toute première fois que j'apprenne, il y a aussi hernie du cœur. Mais ton grand frère, il est mort de ça. Mon grand frère est mort de ça, mais il est mort subitement en Afrique, donc on ne savait pas. Et tout le temps, on soignait le mal d'estomac, parce que lui comme moi, on souffrait du mal d'estomac. Et lui, il est mort subitement. Alors, après sa mort, les parents ont décidé de faire l'autopsie. Enfin, plus ma mère, parce qu'elle, elle habite en Europe. Et comme en Afrique, tout le temps, ce n'est que les sorciers. Et maman a dit, elle ne peut pas accepter que son enfant est parti la journée au travail et le lendemain, il est censé aller travailler et il meurt subitement. Alors, après l'autopsie, donc, on s'est rendu compte, on a décelé en fait que lui également, il avait cette malformation-là. Alors, vu que lui et moi, on est de même père, même mère, et maman décide alors que je vienne en Europe pour pouvoir me soigner. Et donc, je laisse mon travail, je laisse toute ma vie. Et quand on arrive en Europe, je commence les examens. Et on décèle exactement que moi, j'ai la même maladie que mon frère. Après, maman était déjà dans de sacrés soucis, sachant que moi également, je suis malade. Donc, heureusement d'ailleurs qu'on est venu en France. Sinon, en restant au Congo, au bout de quelques temps, j'étais déjà aussi à un niveau très avancé avec beaucoup de lésions déjà. Alors, on va voir le médecin et je commence à suivre un traitement. Le traitement, il ne marchait pas. Il fallait forcément que je voie un spécialiste. Et quelques temps après, maman rencontre une de ses amies qui prie à Adassa. Et quand elle voit ma mère, elle lui dit, mais comment ça se fait que tu es devenue toute bizarre comme ça et tout? Alors maman l'explique qu'elle avait perdu un enfant en allant en Afrique en vacances. Elle a perdu un enfant, donc maintenant là elle est venue avec moi et moi également je ne vais pas bien. Et cette dame lui demande, est-ce que tu es prête à prier? Est-ce que tu peux prier? Ma mère a dit exactement, je peux prier. Alors la dame lui a passé le numéro d'Adassa. Et maman, quand elle arrive avec le numéro d'Adassa à la maison, quand elle nous dit, bon, maintenant, on doit prier, parce que quand on est rentré, on priait tous les jours. Bon, ma petite soeur et moi, parfois, on était fatigués. On dit, oh, maman, elle exagère un peu. Et donc, quand le numéro d'Adassa arrive également, donc elle me demande de faire. Pour moi, je trouvais que c'était des emmerdements, mais bon, vu que ma mère, je l'aime beaucoup, donc je suis obligée de faire pour lui faire plaisir, surtout en ce moment-là, elle était vraiment en détresse, quoi. Et après, donc, quand on rentre dans Adassa, au départ, j'écoute maman Mireille en train de critiquer les mèches, critiquer tout. Je dis, ah, ça, non. Ça, c'est pas intéressant. Et au bout d'une semaine, donc, il fallait que je voie le spécialiste. Et quand on arrive, parce que moi, quand je suis arrivée, avec un visa de visite, juste. Alors, donc, j'avais pas de CMU, j'avais pas de prise en charge, j'avais rien. Donc, tous les examens devaient être payés au cash, quoi, en liquidité. Alors, quand on arrive, on nous fait comprendre que, vu que je n'ai pas la CMU, donc on doit payer 250 euros. Or, maman avait prévu 150 euros. Elle les a proposés si on pouvait payer les 150 euros.
Ils ont dit que non, ce n'était pas possible. Ils ont essayé d'expliquer comment les sous devaient être départagés, donc ce n'était pas possible. Bah, elle a dit, bon, ce n'est pas grave. Vu que j'avais fait un chèque de 150 euros, on part et on reviendra pour les 250 euros parce qu'il faudrait bien que tu te soignes. Déjà, en sortant, je lui ai dit, bah, maman, c'est bizarre. Moi, je me sens assez bien maintenant. J'arrive à manger le soir parce que je ne mangeais plus le soir. Sinon, la nourriture remonte. À un coup, je sens des étouffements. Il y avait des moments où je sentais comme la respiration qui se bloquait. Alors, je lui ai dit, mais apparemment, je me sens bien. Mais là, on est dans Hadassah. Ça fait une semaine seulement. Elle dit, non, il faudrait que tu te soignes. Alors, vu qu'ils ont refusé, quand on repart à la maison, et je suis restée déjà jusqu'à midi sans manger. Je ne supportais pas la faim, vu le mal que j'avais. Donc, si je me suis levée à 6 heures, je dois manger à 7 heures. Donc, si je me suis levée à 6 heures, je ne peux pas rester jusqu'à 10 heures. Vous allez m'emmener à l'hôpital. Et curieusement, ce jour-là, je suis restée jusqu'à 13 heures sans manger. Et quand on arrive à la maison, donc maman me fait à manger parce que je suis restée quand même sans manger et je n'ai même pas déclaré que je n'avais pas mangé. Et elle me fait à manger, c'est l'hôpital qui appelle. Vu qu'on avait déjà commencé à remplir la fiche d'accueil et puis quand on s'est rendu compte que c'était un peu plus cher, on n'avait pas les moyens qu'il fallait, donc on avait arrêté. Et l'hôpital nous appelle pour dire qu'on en a parlé au médecin et le médecin a demandé à ce que la personne vienne, ça sera fait gratuitement. Donc de 250 euros à 0 euros et dire qu'ils avaient refusé. Mais déjà, ce jour avant qu'on parte à l'hôpital, la nuit même, donc on est rentré à Hadassah, maman Mireille était en train de prier. Elle priait, c'était sur le thème de la piscine de Bethesda et qu'il y avait une personne qui était sauvée et tout. Et maman Mireille, en priant, elle a dit ce soir, Motomako Akobika. Mais curieusement, ce jour-là, je n'ai pas compris. Quand maman Mireille a dit ça, au fond de moi, j'ai dit, c'est moi. Le Seigneur m'entend. Au fond de moi, j'ai dit, ça, c'est moi. Effectivement, quand le médecin m'appelle, quand il nous rappelle, donc il nous donne rendez-vous pour le lundi, et quand on arrive, on fait les examens, effectivement, tout est cicatrisé. Le médecin dit, il n'y a que des cicatrisations. Il n'y a plus rien. J'avais une malformation au niveau de l'œsophage. Voilà pourquoi j'avais la nourriture qui remontait. Mon cardia, il est redevenu normal comme tout le monde. Alors, ma mère avait témoigné à Hadassah Amsterdam la dernière fois. Ben, je n'étais pas là. Donc, voilà pourquoi moi-même, je suis venue à Hadassah Paris pour confirmer que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Et je remercie vraiment le Seigneur d'avoir connu Hadassah parce qu'auparavant, je ne savais pas prier. Je me suis rendu compte que je ne savais pas prier. Et maintenant, je sais prier. J'ai même prié pour une personne qui a souffert de la folie et cette personne-là a été guérie au nom de Jésus. Amen. En plus, avant la mort de son grand frère, il venait de perdre l'air papa. Non, notre père a un AVC. Il a un problème de cœur, il est au Congo. Celui qui était mort, c'était qui? Mon grand frère. Le grand frère. Oui. Non, en fait, notre père est malade. Oui. Donc, on a hérité cette maladie de cœur par notre père. Ça, c'est grave encore. Bien-aimé. How wonderful is your name. Mets-toi debout. Je n'ai pas de mots pour ça. Rendons gloire à Dieu. How wonderful is your name. Oh, how wonderful. How wonderful is your name. 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 Jésus. Je vais parler aux 5 continents. Restez là d'abord. C'est ça ma richesse. C'est ça mes enfants.
Je vais parler aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Le Seigneur est en train de visiter le monde. Lui-même est descendu. C'est à nous de faire la repentance. Serviteurs, servantes de Dieu, ce n'est plus le moment de flatter les membres de l'Église. C'est le moment de prêcher la vérité. Amen. C'est le moment de s'accrocher au message de la repentance. Qui peut guérir une maladie héréditaire? Et quelle maladie, hernie du cœur, qui a tué son grand frère de 31 ans, Cédric, l'année passée? Et ça fait combien d'années maintenant? Donne-lui le micro. Ça fait combien de mois maintenant vous êtes à Dassa? Depuis novembre. Depuis novembre de l'année passée. Donc, depuis que j'ai vu les merveilles là en une semaine, maintenant 4h30, 20h, 12h, 16h, je suis là à Dassa. Motoa Tembe. Maintenant, comme on compte à 4h30, 12h, 16h, 20h. Kumbona yobi kamwana. Kumbona yo. Kumbona yobi kamwa. Kumbona yobi kamwa. Kumbona yobi kamwa. Yesu. Kombona yo bika mwa, kombona yo bika mwa, Jésus. Bien-aimé, prêche la vérité. Amen. Les âmes, c'est Dieu qui les amène. Amen. Qui peut aujourd'hui enlever cette fille à sa personne? Parce que des mots doivent tomber. Elle a vu la main de Dieu. Regarde comment maintenant. Il paraît maintenant tu fais même les jeûnes de prière. Oui. Déjà vu que je ne supportais pas la faim. Donc chez moi le jeûne c'était un sacré calvaire. Tout le temps, même quand je passais mes examens, quand on nous demande de se mettre en jeûne, j'accepte, mais quand j'arrive à la maison, non. Et maintenant les jeûnes d'Adassa, je les fais. Je suis en jeûne. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, ces témoignages, tous ces témoignages qui sont remplis d'Adassa, nous interdit de discuter avec ce message. Amen. Toi qui as déjà écouté, regarde comment les gens comme Maman Cécile ont traîné d'église en église, diaconesse, choriste, caissière, mais rempli de maladies, rempli de problèmes. Mais Adas n'a pas de grade, rien donné comme argent. Aujourd'hui, elle verse des larmes d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ revient, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous sommes bénis d'être avertis maintenant. Le Seigneur parle très fort. Ça, c'est le langage de Dieu. De 200 euros à 0 euros. Et même les infirmières ont dit, excusez-moi, mais docteur, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Il dit, mettez les zéros. Docteur, qu'est-ce qu'on va mettre? Mettez les zéros. Toi qui avais des dettes, comme on a mis les zéros là-bas, les zéros descendent aussi chez toi. Aujourd'hui, c'est le jour de la gloire. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Dès que tu étais entré ici, ça a commencé dans ta vie. Amen. Quand j'étais là, les larmes remontaient dans mon cœur, mais les larmes d'adoration. Amen.
Je sentais la grandeur de Dieu. Je sentais comment Dieu est bon. Tu vas sentir maintenant comment Dieu est bon. Si ce studio était à moi, je n'allais pas quitter ce témoignage. Mais comme c'est pour Blaise Mansambi, on doit utiliser le temps. Hey, hernie du cœur, guérie. Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un que Jésus revient. Jésus revient. Dis à quelqu'un que Jésus guérit. Jésus guérit. Et vous qui nous suivez dans les cinq continents, je sais que Kazarema, c'est la chaîne la plus suivie pour le moment. Que le sang de Jésus protège Kazarema. Regardez ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Il revient. Repentons-nous. Ça, je ne peux pas les comparer avec un pantalon. Je ne peux pas les comparer avec le tissage. Je ne peux pas les comparer avec l'hydroquinone et les bijoux. Ça, c'est grand. C'est grand et c'est puissant, c'est glorieux. Que tu as déjà enterré un enfant de 31 ans et le deuxième était en train de suivre. Maintenant, le Seigneur te dit, enlève seulement les étrangers là, les démons là, pour que moi je te touche. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle rentre. Maman Angélique, donne-lui un DVD de ma part. Donne-lui maintenant. Assis-toi ici, Marina, derrière nous. Le Seigneur t'a élevé. Tu n'as pas eu honte de témoigner. Tu as élevé le nom de Jésus. Presse de l'eau. Alléluia. Nazo kamoyo mutofania uti kayo telemanana. Makamba boye pendo fanda yo mama dasa. Bien-aimé, comme tu es debout, tu restes aussi debout toute la vie. Fini ce que tu as connu, le ridicule de 12 ans. L'écoulement des sangs de 12 ans. Cet talit t'a coumi pendant 3 jours. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Chante. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour la guérison de Marina. Oh Jésus, merci, alléluia. Praise the Lord, alléluia. Merci, maintenant vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, la délivrance a déjà commencé. Vous voyez, Marina était seulement en ligne une semaine seulement. Et ce jour-là, le message de Bessaïd est tombé. Et je me rappelle ce jour-là. Le Saint-Esprit m'avait saisi. Maman Solange, elle est où? Je lui ai dit,
Aujourd'hui, le Seigneur a guéri les gens. Et toi qui es dans la salle, elle était seulement au téléphone. Et toi, tu es dans la salle. Depuis jeudi, hier vendredi et aujourd'hui, oh, tu es en train de recevoir beaucoup. Alléluia. Je vais appeler ma fille Jessica. Le Seigneur est en train de faire des choses formidables dans ta salle. Quand on m'a donné les témoignages, donne-lui les micros. De Jessica, qu'elle ne veut plus les danses. Viens ici, comme ça on va bien te cadrer. Parce qu'à Dassa, nous gagnons toute la génération. Noé dans l'arche, il était entré avec ses enfants. Nous voulons être enlevés avec nos enfants. Aucun de nos enfants va aller en enfer. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Amen. Je m'attendais à un amen encore plus. Amen. Likambonabana. Yona lola mona nali fero. Au nom de Jésus. Nouez nos enfants au ciel. Amen. Comment tu as renoncé à la danse classique? Shalom. Shalom. Ça va faire 5 ans que je fais de la danse. Dans 5 ans, mets les micros comme ça. Oui. Ça va faire 5 ans que tu faisais la danse. Mm-hmm. Et en fait, j'ai toujours aimé la danse. Et j'ai connu Hadassa grâce à l'aide de mon oncle, oncle Serge. Je pense que vous le connaissez. Au début, je me disais, quand j'ai entendu Hadassa, je me disais, Maman Mireille, elle parle des mèches, du maquillage, des pantalons. C'est pas possible de vivre sans. Et je me disais, c'est un peu bizarre. Et puis, après, j'ai commencé à entrer dedans, à prier. Même des fois, je suis seule dans ma chambre, je mets l'ordinateur, la radio, je prends ma Bible, je lis, je prie. Et en fait, je faisais de la danse. Et je sais pas, je me suis dit, je prie, mais je fais n'importe quoi, en fait. Je danse, je vis dans le péché. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête la danse, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc voilà. Acclame les seigneurs. Et cela a commencé quand tu étais à Dassa au mois de juin. Oui. Amsterdam. Oui. Explique-nous, Amsterdam au mois de juin, Dieu t'a touché. Au début, maman, vous connaissez Mama Béa, ma mère. Au début, quand ma mère elle m'a parlé d'Hadassa. Ensuite, on est parti à Hollande. Et quand j'écoutais Maman Mireille, j'étais trop contente de la voir en vrai. Et puis ensuite, je sais pas, ça m'a touchée. Tous les témoignages, j'en pleurais même. C'était horrible. Je me disais, les gens qui sont en train de vivre, c'est horrible, quoi. Et ensuite, ça m'a touchée, j'ai changé. Depuis ce jour-là, j'ai changé. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai changé, j'ai tout jeté. Maman, elle a pris les armes, on a jeté tout. Donc, voilà. Praise the Lord! Praise the Lord! Alléluia. Non, le Saint-Esprit est fidèle. Là, on n'a même pas mentionné des danses classiques. Le Saint-Esprit va s'en charger. Dans la vie d'un enfant, tu as quel âge? 17 ans. Non, non, j'ai 13 ans. Non, tu as 13 ans. Elle a 13 ans. Le Saint-Esprit va toucher un bébé de 13 ans. Elle est bébé, baby. Presse de l'eau. Oh, sa génération, les enfants de 13 ans, regardez. Vous allez la suivre dans les 5 continents. Voici un modèle à suivre. Peut-être toi, enfant, tu es encore dans les dessins animés, des mauvais films. Regarde votre génération. Dis à ta maman, à ton papa, « Papa, mène-moi aussi à Dassa au mois de décembre, le 5 décembre. Ne manquez pas, venez avec les enfants.
Pendant qu'elle rentre, acclamons le Seigneur. How wonderful is your name, Jésus. How wonderful is your name, Jésus. Oh, how wonderful. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Jésus. Alléluia. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Acclamons au nom de Jésus. Merci. Bonjour. Je voudrais chanter une chanson avant de donner mon témoignage et je voudrais bien que la chorale puisse m'aider avec le piano. Jésus, mon âme veut te louer. 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 Oh, Jésus, mon âme veut t'acclamer. 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 Jésus, mon âme veut t'exalter. Jésus, mon âme veut t'exalter. Oh, Jésus, mon âme veut t'exalter. Jésus, mon âme veut t'exalter. Jésus, mon âme veut te chanter. Jésus, mon âme veut te chanter. Oh, Jésus, mon âme veut te chanter. Jésus, mon âme veut te chanter. Oh, Zanzambé, la Bazambé. Oh, Zanzambé, la Bazambé. Oh, Zanzambé, la Bazambé. Oh, Zanzambé, la Bazambé. Ozanzambe, 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 ozanzambe. Merci beaucoup. Merci. Alors, le témoignage que je voudrais... Le témoignage que je voudrais donner, en fait, c'est pour les jeunes filles aussi, comme moi. C'est pour les aider, en fait. Parce que, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au mois de juin, même avant ça. Maman m'avait dit, oui, s'il te plaît, Israël, est-ce que tu peux m'accompagner à la convention de Hadassah au mois de juin? À Amsterdam. Au départ, j'étais pas vraiment d'accord parce que je me suis dit, oh là là, moi j'ai déjà mon église et tout. J'ai dit bon. Et après, comme c'était pour son anniversaire, j'ai dit non, c'est pas grave. Je vais aller avec ma mère à Hadassah Meeting Amsterdam pour son anniversaire, pour l'accompagner. Alors on est partis ensemble, ça s'est très bien passé. Et le dimanche, maman Mireille, en fait, elle avait fait une dernière offrande. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais donné aussi l'offrande le dimanche. Et maman Mireille, après qu'on ait donné plutôt l'offrande, maman Mireille, elle avait dit, comme le Seigneur a enlevé la mort dans la vie de mon mari et dans ma propre vie, aussi le Seigneur enlève la mort dans vos vies, dans vos familles, dans la vie de vos enfants et autres. J'ai dit, ok, d'accord, gloire à Dieu.
Et ensuite, avec maman, on est rentrés en France. Et le lundi, je suis allée au travail. Tout s'était bien passé, il n'y avait pas de soucis. Et le mardi, quand je suis allée au travail, j'arrive au travail. Je vois mon chef à l'époque, il me regarde vraiment en l'air. Il était vraiment très étonné. Et moi aussi, j'étais très étonnée. En fait, ce qu'il y a, c'est que là où je travaillais, à l'endroit en question, je travaillais à l'accueil. Et ce qu'il y a, c'est que le plafond, en fait, il s'était écroulé. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le plafond, il s'est écroulé, qu'est-ce qui s'est passé? Et mon chef m'explique, il me dit, en fait, ce qu'il y a, c'est que la personne qui avait mis en place les tuyaux dans le plafond, il n'avait pas mis la bonne colle à un endroit. Ce qui fait que le plafond pouvait s'écrouler à tout moment. Mais vraiment à tout moment. En fait, à tout moment, on pouvait dire à ma mère, oui, Madame Barouti, votre fille est à l'hôpital, voilà, il faut venir la chercher et autres. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tous les jours que je venais au travail, je pouvais mourir à tout moment en fait. Je pouvais avoir un accident à tout moment. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Dieu, tu es trop bon. Merci beaucoup, Seigneur. Et j'ai remercié Dieu pour cela. Et aussi, j'ai un autre témoignage, c'est concernant aussi les cheveux. Alors, ce qu'il y a, c'est que un jour, ma mère, en fait, elle priait et tout. Et quand elle priait, le Seigneur l'avait mis à cœur de me dire, non, ma fille, il faut que tu dises à Israël qu'il faut qu'elle prenne soin de ses cheveux, qu'elle mette ses cheveux en valeur plutôt. J'ai dit, oh. Et ma mère, elle est venue me le dire. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, maman, pourquoi mettre en valeur mes cheveux? Mais je peux toujours mettre les mèches et tout, les tissages, j'ai arrêté et tout ça. Et après, elle m'a dit, non, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. J'ai dit, bon, ok. Entre-temps, ma mère, en fait, elle avait été en relation avec maman Mireille. Et maman Mireille lui avait dit un jour, maman Faiza, je ne connais pas ta fille, mais le Seigneur m'a mis à cœur de te dire qu'il faut que ta fille mette en valeur ses cheveux. Et maman m'avait dit ça, j'ai dit, mais la personne en question, elle ne me connaît pas et tout, mais comment elle mettre en valeur mes cheveux, tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que aussi une chose que j'avais pas dit, c'est que avant je faisais des tissages, mais un jour j'avais fait un tissage chez la coiffeuse et deux semaines plus tard j'avais eu un rêve bizarre je voyais les femmes en fait qui faisaient les cheveux qui faisaient les tissages et tout, et ces femmes là elles avaient pas un bon fond en fait, elles étaient comme mauvaises, c'est comme si c'était des, je sais pas comment expliquer, elles étaient pas bien. Et quand je me suis réveillée, j'ai pris les ciseaux, j'ai enlevé mon tissage directement. J'ai dit non, pardon, il faut que j'enlève mon tissage, pardon. Parce que j'avais cette conviction dans le cœur qu'il fallait que j'enlève ça. Mais après ça, je continuais à faire les mèches. Et quand aussi le Seigneur avait dit à maman que non, mais il faut qu'Israël mette en valeur ses cheveux, il fallait aussi que j'arrête les mèches et tout. Après, je disais, bon, Seigneur, voilà, tu as dit à ma mère qu'il faut que je mette en valeur mes cheveux, mais je vais quand même faire mes nattes collées et tout pour que mes cheveux puissent pousser. Même si je ne fais plus de tissage et tout ça. Je disais ça au Seigneur dans mon cœur. Et dans mon cœur, j'ai cette conviction. Non, regarde, tu peux faire des bains d'huile et tout, faire des soins, tout ça. Et tu verras tes cheveux, comment ils seront très beaux. Et entre-temps, je voyais des jeunes femmes qui avaient de beaux cheveux. C'était leurs cheveux à elles, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que c'est ça qui... Et quand j'ai cette conviction-là dans le cœur, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'après... je voulais plus faire les nattes collées et tout, mais j'avais toujours des perruques et tout ça à la maison. J'ai gardé ça dans un coin. Et un jour, j'avais regardé une vidéo sur internet. Et ce qu'il y a, c'est que dans la vidéo, il y avait un pasteur qui faisait la délivrance d'une jeune fille qui avait un tissage brésilien. Et ce qu'il y a, c'est que le Seigneur, en fait, avait dit aux serviteurs de Dieu que non, le problème de cette jeune femme, en fait, c'est son tissage. Et la femme du pasteur, en fait, elle expliquait d'où venaient ces mèches, en fait, comment ces mèches, elles venaient ici en France, comment elles étaient faites, comment elles étaient fabriquées, et comment elles étaient données aux idoles, en fait, et comment les personnes en question là-bas, les femmes, elles ont l'argent rien qu'en vendant leurs cheveux. J'ai dit, oula, non, c'est pas bon. Et suite à cette vidéo, voilà, j'ai pris les perruques et tout, j'ai jeté tout ça. Et après, je me suis dit, bon, Seigneur, voilà, bon, maintenant, donne-moi la force quoi, de toujours prendre soin de mes cheveux. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne la force. Je prends soin de mes cheveux, je les mets en valeur. Et c'est pour ça que je suis venue témoigner pour dire ça. Et je vous rends gloire à Dieu pour ça. Voilà. Gloire.
allons accueillir maman Gina de Suisse pour qu'elle puisse témoigner la gloire de son Dieu. Maman Jackie, excusez-moi. Acclamons au nom de Jésus. Vas-y. Shalom. Shalom. Merci pour Zanzan, maman. Je viens de dire merci à l'Éternel, à Dieu, parce qu'il est le Dieu compatissant. Maman, où tu vois Pilobambo Kanayo? Où tu suis? Pour ça, je suis cher pour le cadre bien la caméra. Où tu suis? Je vais témoigner en décembre. Oui. Prochain, mais je vis en Suisse, donc je viens de la Suisse. Elle est venue de la Suisse à Dassa, Paris, acclamer le Seigneur pour l'encourager. Elle voulait témoigner au mois de décembre quand elle était à Amsterdam, mais elle n'a pas eu. Décembre prochain. Elle voulait témoigner au mois de décembre à Dasa Night, mais le Saint-Esprit l'a poussé à le faire maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Na kota na Dasa février, jusqu'à qui bah le 8 février. Février 2014. J'ai commencé à prier à Dassa en 2014 au mois de février. Nazola dans le téléphone 4h, 12h, 16h, 20h. J'ai participé à la prière de 4h30, de 12h, de 16h et de 20h. Comme na sala samedi dimanche ngabi veillez na yete sur na ko koka po 6h de na lamki fona ba namsa na 7h. Comme je travaille les samedis et les dimanches, je me disais est-ce que je vais réussir à faire la veillée comme je devais commencer le travail à 6h les dimanches. Nde konanga lobi ba maman Mireille pe ba sala na bango ngoti bango pe ba sala na tongo me kakaka prier kaka na 6h au bonga mi okay. L'un de mes membres de ma famille a dit mais papa Banza et maman Mireille ils travaillent aussi, quand ils finissent ils partent au travail, essaye tu vas réussir. Na koma ipe vendredi na koti veiller na 6h na bonga mi le veiller si la kawana na bonga mi na kepe musala. Le samedi je participe à la veillée et puis dimanche matin je pars au travail. Na za pe fatigué te. Et je suis pas fatigué. Et je continuais. Diable. Ceux qui voulaient me décourager, c'était les ruses du diable. Je continuais. Convention à mois de juin. La convention de mois de juin à Amsterdam. J'étais là, à Amsterdam, à Dassa. Pendant 3 jours, j'ai participé à la convention. Et puis le dimanche, après la convention, je suis rentrée en Suisse à la maison. J'avais fait la demande d'une maison. On me donnait pas la réponse. J'étais sur la liste d'attente. Dimanche quand je suis rentrée de Adassa. Lundi à 8h30. Lundi à 8h30. Gérant l'équipe n'andako. Le gérant est passé à la maison. À lobby. C'est bon, Bozunda Kuboro. Nazo passé pour la remise des clés. C'est accordé, vous avez eu la maison, je passerai pour la remise et reprise. Oui, les amarambouans, parce que Nazan la voisinité, ils ont pallié mon bimbanga moko. La maison qu'on m'a donnée, je n'ai pas de voisins, donc pour bien prier, acclame le Seigneur. Parce que Nazan a équipé, Nazan a papier poursuite. Parce qu'on avait eu un papier de poursuite. C'est impossible. C'était impossible qu'on me donne une telle maison. Et puis on m'a envoyé cela. J'avais envoyé aussi ces papiers-là qui montraient que j'étais poursuivi. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais si tu veux qu'on puisse avoir cette maison-là. Si tu ne veux pas, toi-même tu connais. Et le Seigneur m'a donné cette maison-là, je n'ai pas fini. Mm-hmm. J'ai continué à prier. 16h, 12h.
à 16h, à 12h, à 4h30, à 20h. À 20h, à 20h, à malgré... J'ai continué, j'ai persévéré. J'ai 4 filles. J'ai 4 filles. Naza moi si oyo na bala mais na sepelate. Je m'étais mariée mais jamais heureuse. Mais nazo continuer à nzambe wana. Mais je continuais toujours à chercher Dieu. S'il y a quelque chose même eza bien eza mabete la femme soit soumise. Je me soumettais toujours dans les moments difficiles ou dans les moments autres. Yes, ala ika réponse ko lo ba non te fo ba ka oui la femme soit soumise. Ngape na lobi nzamba lo ba ibongo te na Bible. Je m'étais retrouvée dans un mariage où je n'avais pas un mot à dire. La femme soyez soumise, mari aimait ta femme aussi. Je disais toujours, femme soyez soumise, mais mari aimait aussi la femme. Mais j'ai continué à prier ça. Elle a connu ça avant d'entrer à Dassa. Oui, oui, oui. Avant qu'elle à Dassa en juin, avant d'aller à Dassa au mois de juin. J'ai rêvé que maman Mireille était entrée dans ma chambre. Tovandi. Nous étions ensemble dans ma chambre. À Tuningai. Elle m'a posé la question, tu habites avec qui? Na bana nangai. Je lui ai dit avec mes enfants. Obandi obongisa mbetu nangai. Et maman Mireille a commencé à ranger mon lit. Ozaki penda o. Maman Mireille était en train de prier alors au même moment d'arranger les lits. J'ai ouvert sa garde-robe, j'ai commencé à ranger. Et je l'ai pris, on était assise à côté de son lit en train de prier. Na solo la kato priya kabo me mama Mireille na ebi etay kokota na nda ku ndene nzambe yo moko ebi ke ezali yo muto otindi aya. Je me suis posé plusieurs questions, je n'ai jamais vu maman Mireille, maintenant je la vois dans les rêves dans ma maison, seul Dieu tu connais. Ndenge to bondela bo nzamba la ksa problème moko na moko na nzela basai na nzambe. Comme nous prions comme ça, le Seigneur révèle à ses serviteurs le problème de chacun de nous. Tant dozay na mois de juin na bi comme tes mamans qui peut occuper nga na bi. Au mois de juin, maman était tellement occupée. Na bi na kozonga boyete. Je ne peux pas rentrer comme ça. Tout ça qui na maman na bi so wanda ko. J'étais avec maman Solange. Tes maman. J'étais avec maman Liliane qui est à mes côtés. Oui. Ozopika mbambo so kanga makara bozaki na ba DVD. Oui, on était à la porte avec maman Liliane en train de donner les DVD et puis maman Liliane lui dit mais toi si tu es persévérant, tu veux seulement parler avec maman. Ngabi na kozonga boyete. Je me suis dit je peux pas rentrer en Suisse comme ça. Na sali tout, j'avais tout fait. Na pousa na étude solo là. Je me suis approchée à côté de maman Mireille et j'ai parlé avec elle. Et maman Mireille a dit, je vais prier pour toi. Ce n'était pas un hasard que je sois intégrée à Dassa, c'était Dieu qui conduisait mes pas. Toujours, chaque fois, sur une côte, je sentais que j'avais un peu de temps pour ça. Chaque fois quand j'entre à Dassa, après, j'ai vraiment la paix totale de Jéhovah Shalom. Quand j'ai accouché mon troisième enfant, il y a une soeur qui m'avait appelé deux jours après l'accouchement de cet enfant. Au lieu de me féliciter, elle m'a dit, hey, pitié, tu as encore mis au monde une fille encore. Je me suis dit, Dieu seul connaît. Mais cela m'a pincé dans le cœur. Merci. J'ai dit merci au Seigneur. Et j'ai continué à aimer la sœur. Je suis genre de personne où je pardonne facilement. Je suis rempli de compassion. J'aime mes ennemis facilement. J'ai tellement de combats, mais je n'ai pas de choix. Je sais que ce Dieu, c'est Dieu que je cherche partout. Il est le Dieu de miracles. Quelqu'un est venu sonner chez moi, m'a injurié. J'ai dit ok. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Et il est devenu fou la personne.
La personne était en train de m'injurer que l'homme l'a abandonnée. Elle va dormir dehors avec les enfants. Je me suis pas laissé distraire par lui. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai continué à prier les dieux que je cherche à Dassa. Oui, dans le mois de décembre, et au mois de décembre, je serai là pour parce que c'est Dieu qui est tout pour moi. Que Dieu vous bénisse, papa Banza et maman Mireille. Merci. Bien-aimé, vous avez compris son témoignage. Le diable lui avait lancé un défi parce que l'homme l'avait abandonné. Maman Jackie, Yakoufanda Koto, il y a encore de la place, il y a une chaise. Oui, prends ton sac, viens ici. Le mari l'avait abandonné. On lui avait lancé un défi. Comme l'homme est parti, tu vas dormir dehors avec les enfants. Mais voici maintenant, elle est entrée à Dassa. Dieu lui donne la paix. Non seulement la paix, Dieu lui donne toute une maison à elle-même. Amen. Peut-être toi, tu as reçu la maison facilement. Mais en Suisse, qu'on donne un noir, une grande maison, ce n'est pas fréquent. Et une femme est seule. L'homme l'a abandonnée parce qu'elle a mis seulement des filles au monde. Oh, maman Jackie, ce sont les mamans d'Assa. Amen. Toi qui as mis les filles au monde, c'est une richesse. Amen. Les filles accompagnent les parents jusque dans leur vieillesse. Amen. Les garçons vont se marier et être attachés à leur femme. Amen. Hein, papa Blaise Manzambeza Bongo. Mais les filles restent attachées aux parents. Presse de l'eau. Alléluia. Presse de l'eau. Alléluia. Oh, nous allons chanter encore avant d'écouter, avant de manger les repas du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Que Dieu bénisse Kazarema qui a organisé pour nous à Dass à Paris. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, bénis Papa Blaise Manzambi. Papa béni Blaise. Oh, que Dieu te bénisse, Papa Blaise. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'Adassa pour cette année ici, à Paris. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter notre hymne. Gloire. On dit bon absolute à 4h30. Sans instrument. Aujourd'hui même, nous avons un synthé. Sans instrument, sans guitare, sans synthé, sans drum, mais Marina est guérie de l'hernie de cœur. Amen. Maman Jackie a trouvé une grande maison. Oh, lève tes mains, chante encore. Pour l'adorer,
Abraham. Père éternel, toi le Dieu fidèle, l'éternel le Dieu d'Abraham, le créateur de jour et de la nuit, toi l'éternel le Dieu qui fait lever le soleil pour les bons et les méchants. Père, je viens te recommander ce moment où nous voulons t'écouter nous parler. Seigneur, que je disparaisse. Que Jésus-Christ, toi, tu apparaisses en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes ma bouche, que tu prennes l'oreille de mon frère et de ma sœur. Je prends autorité contre tous les esprits de sorcellerie qui poussent les enfants à déranger. Je les commande d'aller dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre pendant ces moments. Père éternel, fais descendre une équipe puissante de ton armée pour camper tout autour de nous et dans cette salle. Ta parole me dit, tous les lieux où foulera la plante de mes pieds, tu me les donnes. Je prends possession de cette salle maintenant. Je prends possession de la chair. Je sanctifie la salle et la chair dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que toi tu fasses le travail de la transformation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. T'as dit de t'asseoir, mets-toi debout. Tu donnes un alléluia de faiblesse. Tu sais pas que le Dieu là qui a donné une grande maison à maman Jackie, il veut aussi te restaurer. L'éternel est Dieu soutien des femmes seules. Le Seigneur va faire encore beaucoup dans ta vie. Ainsi dans la vie de toutes les femmes qui sont seules avec les enfants. S'il y a des chaises ici dans le groupe de louanges, donnez aux gens qui viennent en retard ou qu'on ne soit pas arrêté, que tout le monde trouve de la place. Gloire à Dieu, c'est bien qu'on manque des chaises. Les gens de la maison vont s'asseoir sur les tapis. Evelyne, mettez-vous sur les tapis s'il n'y a plus de chaises, le groupe de louanges. C'est bien décoré, vous êtes très belle avec vos uniformes. J'attends que tout le monde puisse résoudre et puis on va entrer dans la parole. Vous savez, le bulldozer viendra après moi. Somebody can say yes. Yes. Moi, je suis là, je suis celui qui prépare les chemins. Amen. Moi, j'ai le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Et dans beaucoup de choses. Mais c'est mon mari qui viendra faire asseoir et clôturer. Ne rate pas cet enseignement. Il faut que ça entre en toi. Après que mon mari va finir son enseignement, on passera maintenant à prier pour tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, on va rester, même après la réunion, on va serrer la main à chaque personne aujourd'hui. Nous vous aimons beaucoup. Les va-et-vient sont finis, je vous attends. Gloire. Balance la main. Gloire. Gloire à l'agneau. Lève bien la main. Chantons. Chantez dans la joie. Gloire. Gloire. L'agneau est souverain.
Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de guérir les sidatiques. Il y a des cas de sidatiques dans la salle. Maintenant même, le Seigneur vous guérit. Acclame le Seigneur pour ça. Oh, alléluia. C'est pourquoi moi j'aime l'adoration. C'est pendant l'adoration que Dieu me donne même des prédications, des messages. Prenons nos Bibles et nous restons debout. Tu prends juste ta Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de faire attention aux ruses des Gabaonites. Maintenant que tu vas retourner à la maison, il y aura des Gabaonites qui vont te téléphoner. Il y a des Gabaonites qui vont te visiter. Mais il faut que tu sois averti pour que tu ne puisses pas t'embrouiller. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9. Vous savez, Adassa, c'est l'école. L'école de prière, l'école de la parole de Dieu. C'est pourquoi je donne des longs textes. Josué, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 9, le verset 1 à 27. Ouvrons nos Bibles. Ceux qui ont les micros, s'il vous plaît, utilisons les micros pour faire la lecture. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu, pour le respect de la parole de Dieu. Josué, je vous sens vraiment qu'il y a des gens qui vont découvrir les livres de Josué sûrement aujourd'hui. Je vois comment ça prend le temps. Quand c'est Matthieu, on découvre vite. Mais il est temps de retourner à la parole. Il est temps d'arrêter de courir devant les bishops, les Bontonzambé. Tu donnes l'argent, ils prient pour toi. Toi, tu ne lis pas la Bible et tu ne pries pas. Ce temps-là est démodé. Il est temps maintenant de retourner à la parole de Dieu et à la vie de prière. Josué chapitre 9, le verset 1 à 27. Lèvons nos voix, faisons la lecture ensemble à haute voix. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en deçà du Jourdain dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'auprès du Liban, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec de provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour les âmes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tous les pains qu'ils avaient pour nourrir étaient secs en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur les renoms de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi des Hébon, et Og, roi des Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec en miettes. Ces outres à vin que vous nous avez remplis toutes neuves, les voilà déchirés nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leur provision
et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Biroth et Kiarit-Yarim. Ils ne le frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront leur dire le chef, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs les leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper les bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse mon serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu voudras, bon et juste de nous traiter. Jésus agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina de ce jour à couper les bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans les lieux que l'Éternel choisira, ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'était la parole du Seigneur. Amen. Lève ta main, tu dis amen. Amen. C'était la parole du Seigneur. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Merci, nous pouvons prendre place. Oh, j'aime ça. Comme les groupes de loin s'assoient sur les tapis. Oh, Kazarema, il faut filmer ça. Comment elles sont assises sur les tapis. Ça, c'est le réveil. 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 Laissez-moi entrer dans les thèmes. Faire attention aux ruses des Gabaonites. Je vais faire un briefing. Le jeudi, nous avons démarré notre réunion dans la gloire. Nous avions parlé de notre thème principal de Talit Akumi dans Marc, de la résurrection de la fille de Jairus. Comment le Seigneur Jésus-Christ est allé disperser le deuil dans la maison de Jairus. Donc dès le jeudi, le Seigneur Jésus a dispersé le deuil dans ta maison. Amen. Comme cela est arrivé à Israël, la fille de maman Feza, vous voyez là où elle travaillait, le diable avait déjà arrangé les plafonds qui allaient tomber et tuer la fille. Mais comme elle était venue à la convention, la parole était prononcée venant de Dieu. Elle était là. Le plafond est tombé, mais elle n'est pas morte. Aujourd'hui, on peut écouter ça dans les témoignages. Mais quand, si cela était arrivé, qu'est-ce qu'allait devenir cette femme, sa maman, femme seule qui élève seule ses enfants? Bien-aimé, le jeudi, Talit Akumi, le Seigneur Jésus a dispersé les deuils dans nos maisons. Et le vendredi, nous avons encore décollé hier. Nous étions allés dans l'alliance d'Abraham. Comment le Seigneur a changé le nom d'Abraham? Il était Abraham, il est devenu Abraham. Il a changé le nom de Saraï en Sarah. Le Seigneur a instauré la circoncision.
Le Seigneur a enlevé d'abord la saleté, l'impureté dans la vie d'Abraham avant de lui donner un enfant sacré. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Il est en train d'enlever, surtout dans la vie de nous les femmes, les faux cheveux, les maquillages, les pantalons, les mauvais noms. Le Seigneur est en train de nous purifier pour que nous puissions chacun de nous entrer dans sa destinée. Et le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Le péché, ce n'est pas seulement les hydroquinones, les pantalons, les maquillages, la masturbation, les gens qui fraudaient dans les métros. J'ai béni le Seigneur pour des grands témoignages que nous écoutons, même des papas qui fraudaient dans les trams, mais ils se sont repentis. Le Seigneur est en train de nous purifier, d'enlever la saleté. Et nous avions vu hier comment l'Éternel a ramassé Sarah dans la honte de la stérilité. Le Seigneur s'est souvenu de ce couple. Le Seigneur s'est arrêté sur leur chemin. Abraham a nourri Dieu. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse avant de fermer ce dossier. Beaucoup de gens ont été touchés. Tu es en train de te demander, tu vas semer maintenant où? Il y a plusieurs personnes qui ont semé dans de mauvaises adresses. Tu connais que c'est un faux. Tu connais que cet homme-là, il couche avec les choristes, il prend les vins, il s'amuse avec l'argent des offrandes. Mais c'est une mauvaise terre. Il ne faut pas s'aimer là-bas. Comme tu es à Dassa, c'est ma Dassa. Parce que nous devons acheter les buildings. Dans tous les pays où nous voulons planter à Dassa. Déjà ici en France, à Dassa, c'est Coty. Et Danemark, déjà, c'est à la porte. Il faut s'aimer à Dassa, pas ailleurs. Dieu mange ton offrande à Dassa. Parce que à Dassa, la vision d'Adassa est très grande. Nous devons acheter nos bus. Nous devons arriver même à construire notre hôtel. Comme vous venez avec l'argent de l'hôtel le même jour de la convention, pensant que l'hôtel est à nous. Cependant, j'ai dit gloire à Dieu, vous êtes en train de prophétiser. Il ne faut pas s'aimer ailleurs. Il faut s'aimer là où on te nourrit spirituellement. Là où tu es en train de t'épanouir spirituellement. Quand il y a les sérieux là, c'est là où il faut investir ton argent. Et je ferme ces dossiers-là. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a tellement bénis. Et notre pasteur Banza, il est venu encore faire asseoir Kofandisa Moboko. En ce qui concernait Lot dans Sodome et Gomorre, les deux personnes, Abraham a reçu le même Dieu. Lot a reçu le même Dieu. Les deux ont reçu la même visitation venant de Dieu, mais avec deux attitudes différentes. Abraham, Avec empressement, il a servi ce Dieu-là. Directement, il a arraché sa bénédiction. Mais l'autre, par contre, il était en train de traîner. Des zunguluka, zunguluka. Des baluka, baluka. On part. Il est en train de traîner. Oh, je ne vois pas. Où est le mal, où est le péché dans les faux cheveux? Votre maman Mireille, là aussi, hein, elle exagère. Tu vois combien les gens sont délivrés. Tu es en train de traîner. Conséquence, il avait perdu et sa femme. On l'a pris de force. Par la prière d'Abraham, on l'a pris de force. On l'a fait sortir. Que cela reste en nous. Ce n'est plus le temps de traîner. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez la décision aujourd'hui. Bien-aimés, les gens sont venus, hein, Kazarem est là, même contacté Kazarem, m'a dit à maman Mireille hein, d'apaiser un peu, de doser un peu, de changer un peu. Bien-aimés, c'est trop fort à moi. C'est trop fort à moi ce message. Parce que ça vient des troncs de Dieu. Regardez, tu peux avoir quelqu'un aujourd'hui, demain il meurt. Mais si tu ne lui avais pas donné le message, son sang sera sur tes mains. C'est très difficile.
que je puisse changer. Il y a d'autres personnes qui disent que nous, on ne veut pas venir à la réunion parce qu'elle est en train de mentionner chaque fois les faux cheveux, les pantalons. Avant, je ne prêchais pas les pantalons, les faux cheveux, les maquillages, parce que moi-même, je les portais. Vous ne veniez pas non plus dans nos réunions. Par contre, maintenant, je prêche ce que Dieu m'a donné de prêcher. Regardez comment la salle est pleine. Jusqu'à les gens s'assoient par terre. Ici à Paris, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi, serviteurs, servantes de Dieu, n'ayons pas peur. Prêche la vérité. Sois comme Abraham, que Dieu soit de ton côté. Si Dieu est avec toi, au cas d'arrêt, il sera avec toi. On va lui dire des choses. Lui, il est là, il nous défend. Dieu va disposer des hommes et des femmes. Si les uns ne viennent pas, les autres vont venir. Comme vous êtes là. Le temps est resté très, très petit. Jésus est à la porte. Et le diable est en train de tuer les gens en masse. Regardez comment l'avion était tombé. Les gens sont morts. Ils sont partis, c'est fini. On a connu des accidents. Et ça, ce n'est que le début. C'est le temps de prêcher la vérité. Que chacun écoute. Celui qui va mettre ça en pratique, gloire à Dieu. Celui qui va refuser, gloire à Dieu. Nous, on continue. Aujourd'hui, on a fini ici. Le mois prochain, le 3, 4, 5 octobre, nous sommes en Turquie, à Istanbul. Et au mois de décembre, le 5, le 6, le 7, nous sommes à Amsterdam pour clôturer l'année. Il faut noter ces dates-là. Ne rate pas ces rendez-vous. Fais comme Mama Jackie, qui suit Adas à partout. Praise the Lord. Maintenant, j'entre dans ce passage de Josué. Josué, chapitre 9, le verset 1 à 27. Comme nous venons de le lire, la Bible nous dit la réputation de Josué, des victoires que Dieu leur avait données, cela avait fait tellement de bruit. Il y a eu deux attitudes. Il y a eu deux rois qui se sont mis ensemble et qui se sont ligués pour combattre Josué. Bien-aimé, ce que tu es en train de recevoir à Dassa, il faut comprendre que ça va t'amener aussi, ça va provoquer des combats. Ce n'est pas tout le monde qui va applaudir ton élévation. Les autres vont dire que tu as touché à la magie. Les uns vont glorifier le Seigneur. Et les autres vont te combattre. Parce que cette chair-là, c'est difficile de supporter l'élévation de quelqu'un. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Josué. À gauche, les rois se sont ligués pour le renverser. Mais il y a eu une race qu'on appelle les Gabaonites qui habitaient Gabaon. La nouvelle de la conquête de Haï, la nouvelle de la conquête des murs de Jéricho qui était tombée. Josué, il était loin, celui qui avait remplacé Moïse pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise à Cana. C'est comme maintenant, nous sommes en train de se préparer pour entrer au ciel. Dans chaque génération, le Seigneur élève toujours un Josué. Le Seigneur élève toujours une Déborah. Parce que le Seigneur a besoin toujours qu'il y ait ses serviteurs dans toutes les contrées de la terre qui vont montrer les hommes et les femmes les chemins de Dieu. Et à l'époque, c'était Josué. Comme c'était Dieu qui avait élevé Josué, les gens commençaient à trembler. Parce que quand Josué entrait dans la ville, il sortait avec la victoire. C'est comme à Dassa. Aujourd'hui, on sort avec la victoire à Paris. Parce que Dieu est avec nous.
Ce n'est pas nous qui avons rempli cette salle, mais c'est l'Éternel, le propriétaire de ce message de la repentance, qui vous a amené. Mais cette race des Gabaonites, et ils ont dit, nous n'allons pas nous mettre ensemble avec ceux qui vont combattre Israël. Et ils ont eu tellement peur. Ils ont dit, avant que Josué avec les enfants d'Israël viennent nous tuer ici. Et ils ont pris des précautions. Mais quelles précautions, des ruses? La Bible nous dit, ils ont pris le pain. Ils ont séché le pain. Ils ont pris des vieux habits. Ils ont porté. Ils ont pris des vieilles chaussures. Ils ont porté. Ils ont pris des outres et des vins très vieux. Ils se sont déguisés comme si des gens qui venaient d'un long voyage. Et ils sont partis vers les enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés, ils se sont fait comme si ils étaient très fatigués. Ouh, 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 on les reçoit là, on les reçoit. Ils sont fatigués comme ça. Venez, venez. Ils ont dit, nous venons de très loin, très loin. Regardez la preuve. Nos habits, depuis qu'on avait quitté notre pays, nos habits sont vieux. Regardez les pains même. Les pains sont secs et les pains sont en miettes. Regardez les outres de vin sont vieux. Mais il y avait quelqu'un dans le groupe parmi les enfants d'Israël, ils ont dit, ça ce n'est pas des ruses ça. Est-ce que vous ne venez pas seulement des côtés? Mais un grand groupe de gens n'ont pas fait attention à cette réflexion. Bien-aimés, il faut être renouvelé. Cet homme qui parlait avec Dieu, Josué, va recevoir ces gens sans consulter l'Éternel. Bien-aimés, sans consulter l'Éternel. Il les a reçus. Il s'est précipité à conclure une alliance avec eux. Il a dit, vous êtes, on vous crée l'espace au milieu de nous. Personne ne va vous toucher. Jésus a donné de l'ordre. Ne les touchez pas, ne les tuez pas. Ils ont fait une alliance. Jésus a conclu une alliance avec eux. Mais 3 jours après seulement, 3 jours, ils découvrent que les Gabaonites venaient juste derrière la maison. Ils étaient leurs voisins. Basimbimutu. Regardez, ils pouvaient faire entrer aussi les mercenaires comme ça. Jésus les a appelés, leur a dit, mais pourquoi vous nous avez trompés que vous venez de loin? Cependant, vous êtes seulement nos voisins. Les Gabaonites ont dit, on avait peur de vous. On avait peur, on tremblait que vous alliez nous tuer. C'est pourquoi on a menti. Jésus a dit, comme vous avez menti, vous, votre travail au milieu d'Israël, vous allez couper les bois pour les enfants d'Israël. C'est triste. Vous allez puiser l'eau pour les enfants d'Israël toute votre vie. La Bible nous dit, jusqu'en ce jour, toute la descendance des Gabaonites fait le même travail. Bien-aimés, il y a beaucoup de leçons dedans, mais laissez-moi souligner quelques pas. La première,
c'est ce qui est même notre thème. Faire attention aux gens qui viennent en tenue de gabaonites. Très gentils. Là, ils vous ont vu, hein, sur Kazarema, que tu étais à la convention d'Adassa. Ils vont vous téléphoner. Tu verras même quelqu'un qui ne te téléphone jamais te téléphoner. Eh, shalom. Comme il sait que chez nous, à Adassa, on dit toujours shalom. Shalom, shalom, maman. Shalom, papa. Toi aussi, dans la joie, là. Eh, shalom. Tu penses qu'il est devenu ton frère, il est devenu ta sœur. Oh, c'est un gabaonite. Il commence d'abord à louer, à glorifier. Et je t'avais vu sur Kazarema. Et ce témoignage-là, vraiment, et c'est vrai, hein? C'est puissant. Hein? Il peut te téléphoner le premier jour. Il prépare seulement les terrains, il laisse. Il peut même te donner les cadeaux. Mais parce qu'il veut te récupérer à la fin. Il veut te faire sortir sur le bon chemin de la repentance sur lequel tu t'es engagé. Et puis la personne viendra avec beaucoup de ruses. Eh, mais réfléchissons un peu ensemble. Tu penses que toutes les mamans pasteurs là qui mettent les faux cheveux là et qui mettent les pantalons là, qui mettent les bijoux là, elles prêchent, Dieu les utilise. Elles vont aller en enfer. Seulement votre maman Mireille là et les mamans Adassa là vont aller au ciel. J'ai une réponse pour vous. Vous tous ceux qui me suivez dans les cinq continents. Toutes les mamans pasteurs, les bishops et les bishopines qui mettent les faux cheveux, qui portent les pantalons, qui mettent les produits, qui mettent les bijoux, si vous ne vous repentez pas, votre destination c'est l'enfer. Oui, nalo bien on est zombo. Na komba moto abikisi Marina. Na komba moto abikisi Mama Cécile. Na komba moto abikisi Israël Naliwa. C'est le temps de la repentance. Même les hommes qui mettent les produits, les hommes qui mettent les bijoux, les hommes qui mettent les habits sexy, si vous ne changez pas et que la mort vous trouve, et que le Seigneur Jésus revienne, votre destination, c'est l'enfer. Oh yes. Il faut faire attention avec les ruses des Gabaonites. Ils viennent avec des langages sucrés, décorés. Des fois, quand je regarde certaines émissions dans des sites comme Kazarema, autres sites, je vois comment les femmes sont en train de se liguer pour détruire ces messages. Je dis, regarde comment elles sont en train de s'embrouiller. Bien-aimés, ça c'est le message des temps de la fin. Les gens qui vont toucher ce message, leur société, leur ministère, leur ligablo va fermer. Même si tu as 15 000 membres, ça va fermer. Si tu es en train de préparer les âmes pour aller en enfer, Dieu va fermer ça pour que ces âmes-là viennent à Dassa. Là, on ne les demande pas l'argent, mais on leur prêche la repentance. Fais attention avec les ruses des Gabaonites. Le temps est mauvais. Rachetons le temps. Ce message Dieu m'a donné, il n'a même pas donné à mon mari parce que mon mari n'aimait pas les faux cheveux. Mon mari n'aimait pas les maquillages. Mon mari a aussi la parole de Dieu. C'est lui qui est notre pasteur titulaire. Mais si tu as affaire à des faux cheveux, les pantalons, les maquillages, hydroquinons, le bijou, viens chez moi. C'est à moi que Dieu a parlé. Presse de l'eau. Arrêtez d'embrouiller mon mari. Il n'y est pour rien. L'entrée au ciel est individuelle. Dieu m'a privé des enfants, mais il m'a donné les grands enfants à Dassa.
Bien-aimé, fais attention avec les Russes de Gabaonite. Ils sont rusés. Quand tu t'engages sur le chemin de la délivrance, et ils viennent. Ils te montrent les jeûnes de 100 jours, les jeûnes de 300 jours. C'est rien si tu vis dans les péchés. C'est zéro. Vous êtes là, vous avez fait toutes sortes de jeûnes, mais pas de solution. Mais maintenant, vous n'avez même pas jeûné. Le Seigneur commence à vous toucher. Fais attention avec les ruses des Gabaonites. C'est quoi cette histoire-là? Moi-même, je me suis dit, mais tout le monde témoigne. J'ai rêvé Maman Mireille, j'ai rêvé Maman Mireille, j'ai rêvé Maman Mireille. Le Seigneur m'a dit, tranquillise-toi. C'est moi qui fais ça pour leur montrer que cette guérison, cette solution, tu as réussi ça à Dassa. Là où j'ai élevé ma servante, ce n'est pas ton problème. Laisse, c'est mon travail. Fais attention avec les ruses des Gabaonites. Ça, c'est dans le domaine de l'habillement. Mais ils viennent aussi, je vais toucher un autre domaine de mariage. Bien-aimés, fais attention. Vous nous suivez depuis le Japon, l'Amérique. Partout, fais attention. Que dit la Bible concernant le mariage? Jésus-Christ a dit, celui qui divorce et va aller se remarier, il est en train de commettre l'adultère. Tu vas noter seulement Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Comme nous avons un deuxième enseignement, on ne va pas lire. Marc 10, versets 1 à 12. Ce problème de mariage n'a pas commencé aujourd'hui. On est venu poser la même question à Jésus. Jésus a dit, celui qui divorce et va aller se remarier est en train de commettre l'adultère. Et celui qui va aller épouser quelqu'un qui est divorcé, tu es en train aussi de commettre l'adultère. Bien-aimé, il est temps que cette histoire de divorce s'arrête. Pour que cette nouvelle génération puisse être solide dans leur foyer. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu est en train de dire dans son deuxième mariage à sa deuxième femme? Un grand pasteur. Oh, mais tu penses que si tu partais, le divorce, je l'ai fait avant, avec ma première femme. Si tu pars aussi, je n'ai pas peur de ça. Alingala, ça sonne bien. Nana somona ngote. Pasteur, avec 6000 membres. Il se moque de nous, que nous, nos églises sont des églisettes. Mais vous, qui avez des foules, vous avez divorcé. La Bible dit, vous êtes remariés, hommes de Dieu, bishop. Motonzambe, les gens qui viennent après prennent ton mauvais exemple. Si tu ne te répands pas, ta destination c'est l'enfer. Fais attention avec les ruses du diable. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas ton prochain, le Dieu qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Pourquoi on se retrouve dans les divorces? C'est parce qu'on ne veut pas pardonner. Toutes les femmes là arrogantes. Et ce que j'ai constaté, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Les femmes là qui s'opposent à ne pas jeter les faux cheveux, les pantalons et les ongles là. Les ongles là de comme ça là. Ce sont les mêmes femmes là qui chassent les maris. Ce sont les femmes là qui sont remplies d'elles-mêmes. Avec arrogance, elle est sûre de sa beauté. Bien-aimée, tu ne sais pas être mariée, c'est une grâce. Combien de femmes qui te dépassent sont seules. Hey, tu ne regardes, et puis elle ne tient pas compte qu'elle a déjà 5 enfants, 6 enfants. Dans son esprit, comme elle met les faux cheveux là, ça cache
les calvities qui sont en bas. Au lieu de collaborer avec son mari, au lieu de travailler ensemble, au lieu de s'humilier, de chercher Dieu, elle est toujours comme ça. Et Bonico, non, qu'elle n'a social. Social, papa, nao? Bien-aimé, cette histoire doit s'arrêter. Il faut savoir que tu vas aller en enfer. Toutes les femmes, même si le Seigneur t'utilisait plus que moi, regardez-moi comment je suis soumise à mon mari. Ce n'est pas seulement ici, même à la maison, même l'église connaît. Si papa dit non, même si c'est en ma faveur, je laisse. Parce que je veux entrer au ciel. Toutes les choses de ce monde passeront. Moi, je ne veux pas rater le ciel. Bien-aimé, fais attention avec les ruses du diable de copier les mauvais exemples. Toi qui as divorcé avant, je ne sais pas ce qui t'a conduit dans le divorce. Les gens ont connu des choses horribles. Mais je m'adresse à toi qui veux divorcer maintenant. Et toi qui es en train de préparer à te divorcer. Maintenant que tu as rencontré ce message de la repentance, il faut arrêter. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel va trancher ton problème. Presse de l'autre. Que le Seigneur console tous ceux qui ont divorcé avant. Que le Seigneur vous restaure. Le Dieu qui est en train de restaurer les gens à Dassa. Que le Seigneur vous restaure. Je m'arrête au deuxième point pour terminer mon message. C'est la conséquence du mensonge. Bien-aimés, regardez ces Gabaonites. On fait des cinémas à porter des vieux habits, à mentir un homme de Dieu, à mentir le peuple de Dieu. Vraiment un mensonge organisé. Mais regarde comment ça va coûter cher. Toute la génération qui a suivi est en train de payer ça jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, la Bible nous dit, portez à vos reins la vérité comme ceinture. Jésus-Christ est la vérité. Nous devons dire la vérité selon nos cœurs. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons pratiquer la vérité. Nous devons être sincères pour voir la main de Dieu. C'est triste que les hommes et les femmes les plus menteurs du monde, on les trouve dans l'église. Des fois même les païens disent la vérité. Mais les gens de l'église, je ne dis pas les chrétiens, les gens de l'église. Parce que si tu deviens chrétien, tu vas te séparer avec les mensonges. J'aime le langage de mon mari qui l'emploie souvent. Les mensonges, c'est la langue maternelle du diable. Si tu examines ça au fond, c'est vrai. Le diable en lui, il n'y a que le mensonge. Beaucoup de gens seront surpris, hein. Comment le diable est en train de les aveugler par de ce qu'on appelle les petits péchés là. Tu vas te retrouver en enfer pour l'éternité parce que le diable t'avait menti. Renonçons aux mensonges. Nous allons faire les services de guérison. Que tu tombes ou pas, cela n'est pas important. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Toi qui es malade, tu es déjà guéri aujourd'hui. Personne n'est venu à Dieu et retourné comme elle était venue. Mais il faut entretenir cette guérison, cette restauration par la vérité. Et un papa qui n'a pas porté la ceinture, vous pouvez imaginer. Vous avez la réponse. Il ne peut même pas faire deux pas. Regarde, c'est pourquoi tu es dans la honte. Parce que tu n'y dis pas la vérité. Quand ton téléphone là sonne, tu es dans la chambre avec ton partenaire. Dès que le téléphone sonne, tu as déjà programmé des sonneries. Quand ça sonne, directement tu prends ça. Oh, nazoya, nazoya, nazoya. Oh, zoya, ok, wapi. Oh, je viens, je viens, je viens.
pourquoi tu ne peux pas parler à côté de lui ou bien à côté d'elle? Quelles sont des personnes qui te téléphonent avec cette sonnerie-là? Tu ne dis pas la vérité. Bien-aimés, répentons-nous. Fais attention aux ruses des Gabaonites. Même si c'est la personne qui t'a fait entrer à Dassa, j'ai vu les ruses des sorciers. Il t'amène à Dassa. Lui-même aussi, bien elle-même aussi, commence à te faire sortir. Il faut lui dire, moi j'ai déjà trouvé la bonne adresse. Si toi tu vas continuer à déambuler, bon voyage. Moi j'attends le retour de Jésus ici. Fais attention aux ruses des Gabaonites. Fais attention aux ruses des Gabaonites. Arrêtons les divorces dans l'église, dans le corps de Christ. Renonçons aux mensonges. Il y a des filles qui vivent avec trois copains, quatre fiancés. Tu es en train de te détruire. Il y a des garçons qui vivent avec deux fiancés, trois fiancés. Bien-aimés, mon mari et moi, nous sommes dans le domaine de la délivrance. Ces choses que tu es en train de faire maintenant, les péchés, c'est bon, hein? Tu couches avec X, tu couches avec Y, tu couches avec Z. Mais au moment des récoltes, tu auras maintenant, à un certain moment, l'envie de te stabiliser dans la vie. La façon dont tu avais vécu, toutes ces personnes-là, parmi ces personnes-là, il y avait des sorcières, des satanistes, vont maintenant te réclamer. Vont te réclamer. Bien-aimé, la Bible dit, l'homme va récolter ce qu'il aura semé. Sème la vérité, au moment de la moisson, tu vas récolter la paix, la joie. Que cette convention d'Adas à Paris te change. Mettons-nous debout. Oui, prends tout seul. J'abandonne tout avec Nyon sopona Yamanuele Nyon sopona Le de Dieu. Les brebis du Seigneur entendent la voix de leur père. Tu as écouté la voix de ton père te parler. Et répète cette prière après moi. Dis: Éternel Dieu d'Abraham. Éternel Dieu d'Abraham.
J'ai écouté ta voix aujourd'hui. J'ai écouté ta voix aujourd'hui. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Je me répands. Je me répands. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. J'ai demeuré dans les mensonges. J'ai demeuré dans les mensonges. Mes parents ont demeuré dans les mensonges. Mes parents ont demeuré dans les mensonges. Et nous les enfants. Et nous les enfants. Nous sommes des esclaves aujourd'hui. Nous sommes des esclaves aujourd'hui. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Pardonne les péchés de nos pères. Pardonne les péchés de nos pères. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Les divorces qui ont commencé depuis les générations. Les divorces qui ont commencé depuis les générations. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Je me répands. Je me répands. De tout péché. De tout péché. Depuis la première génération. Depuis la première génération. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. J'ai fait une nouvelle alliance aujourd'hui. J'ai fait une nouvelle alliance aujourd'hui. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois. Je te reçois. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Prends la direction de mon cœur. Prends la direction de mon cœur. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi. Délivre-moi. De la servitude. De la servitude. De la malédiction. De la malédiction. Des Gabaonites. Des Gabaonites. Je renonce. Je renonce. D'être esclave. D'être esclave. D'épuiser l'eau pour les autres. D'épuiser l'eau pour les autres. De couper les bois pour les autres. De couper les bois pour les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Dans la condamnation. Dans la condamnation. Ancestrale. Ancestrale. Familiale. Familiale. Amicale. Amicale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Dans la condamnation. Dans la condamnation. De mon pays d'origine. De mon pays d'origine. De mon pays d'accueil. De mon pays d'accueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Allez, commence à te libérer. Frappe les mains. Libère-toi. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mon âme et mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mon esprit. Mama Feza.
exclusivité, tapez www.casarema.fr.